Dis-lui merci pour la vie. La vie, c'est un cadeau de Dieu. La vie nous vient de Dieu. Pour lui, tous sont vivants. Par lui, tout a été créé. Nous sommes mieux vivants parce qu'il a voulu ce soir. La bouffante a qui m'y a été. Mon nom, on a même pour qu'on a maté. Quelque chose pour tout ce qu'il fait pour moi. Oh, je ne m'étirerai point, je ne m'étirerai point. Sa grâce est tellement riche, sa grâce est tellement riche, sa bonté dira jamais. Cette bonté qui se renouvelle chaque jour de nos vies. Oh, elle va te volailler, elle va te volailler, elle va te volailler. Je sais que tu seras là pour me secourir. Ma prière ce soir, cet après-midi, est que tu m'attires. Attire-moi, Seigneur, à toi. Je ne veux que toi, Seigneur. Donne-le ma prière, Seigneur. Donne-le ma prière, Seigneur. Donne-le ma prière, Seigneur. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre âme. Est-ce que tu peux le faire, ta prière ce soir? Attire-moi à toi. Annulissons. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Amitié avec lui, dis-le. Restaurer nos amitiés. Il est ton Jésus, c'est lui Jésus. Il est mon Jésus. Tu le veux que lui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
Est-ce qu'on peut le reprendre? As-tu foi en toi encore? Oh, as-tu Thank you.
ma famille. Sois le bienvenu dans tout ce que je fais. Dans la mission, sois le bienvenu. Mon intelligence t'appelle, Seigneur. Je veux être renouvelé. J'ai besoin d'être renouvelé. Je veux être renouvelé. Je veux.
Yeah.
Merci pour le ciel qui est ouvert en ce jour. Merci de nous visiter par ta présence. Merci à toi qui règne à jamais. Nous sommes venus dans ta présence et nous savons que nous serons transformés. Tu es le Dieu qui n'invite pas son peuple pour rien. Tu es le Dieu du changement et des transformations. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour le ciel qui est ouvert ce soir. Nous apprécions ta grâce. Et nous t'offrons nos acclamations et nos cris de joie. Toi le roi qui vit à jamais. Toi le roi qui règne pour toujours. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves Dieu spécialement. Vous savez, dans chaque attribut de Dieu, se trouve une prophétie de ta destinée. Dans chaque attribut de Dieu, se trouve une réponse à ton problème. Et la stratégie des hommes de foi, la stratégie des vrais adorateurs, parfois c'est aussi d'élever Dieu dans une dimension de ses attributs qui correspond à ton problème. De sorte que tu es malade, mais tu élèves Jéhovah Rapha. Tu manques, mais tu élèves Jéhovah Jireh. Tu n'as pas la paix dans le cœur et tu es en train de proclamer, d'élever Jéhovah Shalom. Est-ce que quelqu'un peut faire cet exercice pendant ces quelques minutes? Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Si tu es dans les combats, tu peux élever Jéhovah Sabaoth. Oui, si tu as besoin du ciel ouvert, tu peux élever Jésus, le pain de vie, le pain vivant venu du ciel. Si tu as besoin d'une orientation, tu peux élever Jésus qui est le chemin, mais également la vérité, mais aussi la vie. Alléluia. Jéhovah Rapha, je viens t'élever. Toi qui me guéris de toutes les maladies, tu connais mon corps mieux que le médecin. Tu connais chaque compartiment de mon corps. Tu peux aller réparer là où les médicaments ne peuvent rien faire. Je viens t'élever dans ma vie ce soir. Je viens proclamer ta grandeur, toi qui vis à jamais. Natombolio Jéhovah Shalom. Zambo ya pesaka kimia. Ah, elongo na yo na koyi ko lala ata na mayi za ko ningana. Même quand la mer est agitée, je peux garder mon calme et ma paix. Parce que Jéhovah Shalom et mon rempart. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore touché, mais j'élève Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui voit mon problème et qui vient avec la solution. Sois élevé ce soir. Shandara brabashi kenderebo sinterebe. Shandara brabashi kenderebe sinterebe. Kandara brashi kandara basantere bébé. Béni sois-tu Seigneur. Nous t'élevons mon Dieu.
Yoki posa komata akomata na lola tokoyemba na babaje Yoki posa komata yakomata na lola yakoyemba we yakoyemba yakoyemba na Nayoki posa, yakomata na lola. Pe akoyemba, yakoyemba na banje. Nayoki posa, yakomata na lola. Pe akoyemba, Ayoki posa komata Andara bashiki ndirugusi Andaria bashika manda brasa Ayoki posa Oyaya Pour te contempler, t'adorer face à face Yakoyemba na banje Ema 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 e Fumbole ya ngayo Ema ema na ngaye Ema e Sopele la ngakembo Ema niwele ema e Ema, 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 ya ya Nazoluka yo tongo pepo kwa ema Papa yozali nzambe mama yawe kumama yawe kumama yozali nzambe kumama liziba bomoye kumama kolo yozali papa e mama yawe kumama yawe kumama yozali nzambe akolemba lemba te kotombola yo Santo Lola, donde yo bongi na yango Mama, ya yawe kumama Uzali jambe Bafinga, batonga, bagaga, balo na bango Kaise na yo monsantu Mama, ya yawe kumama Ata pansi minyo koko zanga peko lela Na lembite kobete lo mabokwe Mama, oh, ya yawe kumama Yozali zanga Osantu kumame, o Yesu kumama O Shilo kumama, papa yozali zanga Yesu e yozali nzambe Ya ya yozali nzambe Yesu kumame Ya ya kumama Oza 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 Oyongana lukaka papa Oza 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 Ileba oya suka shilo Oza, 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 Ose kusia ba wei, papa Oza motote, oza, oyoko sanga Oza motote,
voyez changer la vie. Kasi ozali nzambe, ozali nzambe, papa ozali nzambe, kolo ozali nzambe, mayi na lukanda yo na ntina yo, oyo ozali nzambe, oza moto te. Oyo bosa na ngai, oza moto te. Oyo bakisa ngai, oza moto te. Oyo lembana na likambo na ngai, oza moto te. Oyo zonga nsima na bitumba, oza moto te. Oyo bosa na bilaka na yo, oza moto te. Oyo changer la vie, oza moto te. Oyo lembana na likambo na ngai, oza moto te. Oyo loba elekeli yo, oza moto te. Oyo zonga nsima na likambo, basi oza nzambe. Zolo oza nzambe, papa oza nzambe. Ah, oza nzambe. Pendant que zoka tire maboko, zolo oza nzambe, oza moto te. Invite ce mouton à la présence en Zamba ou Alelo. Invite ce mouton à la présence en Zamba ou Alelo. Quand vous êtes bête à ma boîte, vous êtes aux âmes moutées, aux âmes et des saintes. Pour le bas médicalement parlant, c'est impossible. Aux ensembles, aux ensembles, aux ensembles, aux ensembles, aux ensembles, aux ensembles. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors salue cette personne. Transmettre bango assurance le banaye azamotote. Azamotote azanzambe. Yende mokeli. Yes, ensemble. On peut s'asseoir en acclamant très fort le Seigneur. Dieu est bon pour nous. Bienvenue en ce culte de la semaine. Amen. Alors je voudrais rappeler quelques communiqués. Après nous allons partager la parole. Nous rappelons le programme de la formation. Malongi et Bandaki. Donc c'est chaque mercredi 14h, dimanche après le deuxième culte. Mercredi 14h dimanche, et le samedi à midi, c'est la récupération pour les retardataires. Nous avons notre grande conférence sur la réussite. Ce lundi ici à partir de 9h. C'est vraiment un masterclass. C'est vraiment un temps qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous booster. Et je voudrais vraiment encourager chacun à se disposer pour être là. De 9h à 16h. Exposé, atelier, débat, cocktail. Alors, pour bien organiser, nous aider à nous organiser, nous vous demandons de vous enregistrer.
C'est pour nous permettre d'avoir plus ou moins le nombre de ceux qui vont participer. Ça nous aide à imprimer les badges, les fards, à bien organiser un peu les choses. C'est une première, on veut donner le décor et nous voulons que les jours qui viennent, les années qui viennent, que cela puisse aller vraiment de progrès en progrès et d'excellence en excellence. Papa Emmanuel est là au fond, c'est lui qui s'occupe de l'enregistrement. Papa Emmanuel Kombo. Si vous voulez écrire au numéro de l'église, vous allez spécifier, dire que c'est pour la formation du 17 mai. Ce qui vous donnez votre nom et votre numéro. Au sala yango na numéro ya téléphone ya Ecclesia, au sala yango bengi o pesi kombo pe numéro na yo ya téléphone. Nous avions remis les invitations le dimanche passé. To pesaki kasa ya mbela na mokolo yinga. Et nous avons encore quelques invitations pour ceux qui veulent inviter les gens. To sapina ba kasa mususu ya mbela pour na bato ba liba benga bato. Et si vous pouvez communiquer le nom et le numéro de la personne que vous avez invité pour nous aider à lui rappeler la veille par un SMS. Et savoir plus ou moins combien de gens viendront et comment on peut organiser ça. Alors aidez-nous s'il vous plaît à bien organiser ça en vous enregistrant, ça ne vous coûte rien. Parce qu'il y a toujours des gens à Kinshasa, il y a toujours des gens comme ça. On donne les communiqués, on donne les communiqués, on insiste. Et puis ce jour-là, il vient seulement. Son nom n'est pas dans la liste, il n'a pas enregistré, il n'a pas de badge, n'avait... et puis donc, tout ça, Dieu est bien gâté, et tout ça, vraiment, hein? C'est quoi ça hein? Mais il n'y a pas s'enregistré. Et ça a un problème, le Cambouni n'a pas César qui est là. Le voisin, le Cambouni n'a pas César. Non. En tout cas. Toujours des gens comme ça. Mais j'espère qu'ici il n'y en a pas. Tout le monde est organisé ici. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Sa louange, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le cœur même pour tous ses offrandes. Sa louange, sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange, sa louange. Snell est souhaité un bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, tant qu'on a une prophétie, moi, il y a avec un mouton, on soit appelé, ça qui est mis dans le téléphone, il faut appeler sa téléphone on a comme cadeau. Là, il était prophétie ou t'es coto, quelque part. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Nous voulons adorer Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Avant de partager la parole ce soir,
Nous allons offrir à Dieu une offrande d'amour, une offrande de reconnaissance, lui qui nous donne la paix et la joie, et qui a décidé qu'on soit parmi les vivants. Père, merci pour ta grâce et merci pour l'opportunité que tu nous donnes de participer à l'avancement de ton œuvre. Bénis ces instants et bénis chaque main qui donne. Rends au sensible au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis content de voir mon frère Bout. Il m'a promis de venir, il est venu. Il peut se lever pour que nous puissions le recevoir. Voilà. Il s'appelle frère Bout. Serviteur de Dieu. Mais il boude pas les gens. C'est juste son nom. Un bon frère. Merci beaucoup. Bien-aimé. Amen. Amen. Alors on va partager la parole. Bien aimé, depuis un certain temps, nous sommes en train de développer un sujet. Devenir un agent de changement. Devenir un agent de changement. Nous voulons pas seulement subir les changements qui viennent les autres, mais nous voulons aussi, nous aussi, devenir des agents de changement. Alors nous partons d'une thèse selon laquelle Dieu suscite dans chaque génération des personnes qu'il qualifie pour être des agents de changement. Et nous croyons que dans cette génération, tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né à une mauvaise époque. Tu n'es pas né à un mauvais pays. Tu n'es pas né d'une mauvaise famille. Tout ça est dans les calculs de Dieu. Pour que par toi, les choses puissent s'améliorer. Ta famille est bénie de t'avoir. Parce que par toi, une page de son histoire peut être tournée. Et cela positivement. Amen. Amen. Et pour cela, il faut être conscient de ça. Pour se laisser entre les mains du potier. Afin d'être transformé. De devenir utile entre ses mains. Car de la même façon, le bâton a été utile entre les mains de Moïse. Moïse lui-même était utile entre les mains de l'Éternel. Si tu te laisses entre les mains du divin potier, tout ce que tu toucheras aura aussi de l'importance. L'importance d'une chose dépend de la qualité de la personne qui la tient. Tu vois Maître Merveille, c'est un avocat. Maître Merveille, Azali Molobeli. Il est dans des histoires de pénal, de civil, de jurisprudence, de tout ça. Et faire partie dans ça. Je crois qu'il faut arrêter les splits du bureau. Parce qu'il y a les... Et donc, si tu donnes un ballon de football au maître, s'il tient le ballon, tout ce qu'il peut faire, c'est de construire des principes juridiques autour du football. Le droit des joueurs et de je ne sais pas moi.
Mais si tu prends ce même ballon, tu le donnes à Lionel Messi. Opesi yango na Lionel Messi na Ronaldo. C'est-à-dire, dès que lui touche ça, son prix change. Dernièrement, Cristiano s'est fâché sur le terrain. Il a pris son brassard de capitaine, il a jeté ça. Je sais que toi tu pries beaucoup, tu ne regardes pas ces choses-là. Alors il a pris le brassard, il a jeté. Et un travailleur du stade a pris le brassard. Et puis il a mis ça sur Internet. Et puis il a commencé à vendre ça. En tout cas, ce brassard là, ça doit être entre 5 et 20 euros. Hein? C'est des choses. Mais ça a été vendu à 64 000 euros. Mais ça a été vendu à 64 000 euros. Parce que pas seulement c'est un brassard, mais c'est un brassard qui a été touché par quelqu'un qui a été oint et qui a été mandaté dans la. Et puis ça a été, c'est-à-dire l'utilité de la chose dépend de celui qui la tient. Alléluia. Amen. Si je te donne un micro, tu vas parler des histoires des robes, des histoires. Mais si tu me donnes un micro, je vais faire une célébration et réunir 10 000 personnes. On sera en train de sauter comme ça. Alors qu'est-ce que je veux dire? Ma prière est ceci. Comme tu es choisi comme agent de changement, ta présence entre les mains du potier donnera de l'importance à tout ce que tu toucheras entre tes mains. Ça peut passer par n'importe quelle main, ça n'aura pas de l'importance. Mais lorsque ça passera par tes mains, ça aura de l'importance. Je dis à quelqu'un, même un petit matembélé entre tes mains peut réjouir le cœur du chef de l'État. Je ne sais pas, je parle à qui aujourd'hui. Je dis un petit stylo de 100 francs entre tes mains peut signer des documents de millions. Parce que l'Éternel t'a mandaté pour être un agent de changement. Quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé, c'est très important. Alors le sous-thème que je voudrais exploiter aujourd'hui, c'est si tu es agent de changement, qu'est-ce qui te révolte? C'est une question. Si tu es agent de changement, qu'est-ce qui te révolte? Parce que parmi les éléments de l'appel et de la vocation, et notre Dieu, quand il te conduit vers ta destinée, il place autour de toi des circonstances qui te révoltent. Il place autour de toi des événements et des réalités qui te choquent. Et lorsque ces choses-là te choquent, en réalité, c'est une invitation vers ton appel et ta destinée. Et donc, si tu es agent de changement, qu'est-ce qui te révolte? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te révolte? Se révolter dans l'ingalésa? Tout
Tomboka. Tomboka. Alors on va lire Exode chapitre 2. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais nous nous sommes décidés comme ça. De nous lever à chaque fois pour lire la parole de Dieu pour l'honorer. Parce que nous croyons que c'est une parole sainte qui vient d'en haut. Je ne pense pas que Dieu soit contre ça. Exode chapitre 2, verset 11. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Pouvons nous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'appelle au changement, il va placer autour de toi des réalités, des circonstances qui commenceront à te choquer, qui commenceront à te révolter. Et ces révoltes-là, frères et sœurs, contiennent aussi des éléments de ton appel et de ta destinée. En d'autres termes, l'une des manières de reconnaître ton appel, ta vocation, ton orientation, c'est aussi de voir les choses qui te choquent. Des choses qui te choquent dans ta famille, dans la société, dans ton pays, dans ton église, dans ton milieu, là où tu vis, des choses qui te révoltent, qui t'énervent et qui te choquent. C'est l'une des façons pour découvrir ton appel et ta destinée. Quelqu'un dit un bon amen. Pendant plus de 3 siècles, les enfants d'Israël sont devenus esclaves en Égypte. Esclaves. Ils ont fait combien d'années dans l'esclavage? Pardon? 430 ans. 430 ans d'esclavage. Et le jour où Moïse a commis ce forfait pour fuir, il avait 40 ans. Donc ça faisait combien d'années depuis qu'ils étaient esclaves? 390 ans. Heureusement qu'on a Papa Costes, notre calculatrice ambulante. Alléluia. Amen. 390 ans d'esclavage. Bon, vous la 390 ans qui assujetti, ba konza ki bango, dominé, ba nyokola ki bango, contrôlé, ba landela ki bango, pendant 390 ans. Donc bientôt 4 siècles d'esclavage. Donc les gens ont commencé et puis ils ont eu des enfants et puis des enfants, des enfants. C'est-à-dire il y a des enfants qui sont nés esclaves. Son grand-père était esclave. Des esclaves. L'esclave n'a pas d'identité. L'esclave n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas de choix. Le choix de l'esclave, c'est le choix de son maître. Si le maître dit aujourd'hui tu mangeras ma tembele, tu mangeras ma tembele. Aujourd'hui tu vas t'asseoir ici, tu vas t'asseoir ici. L'esclave
et contrôlé. Et partout où l'enfant d'Israël se trouvait, l'enfant d'Israël savait que l'Égyptien est son supérieur. L'Égyptien est son maître. Il naissait comme ça, il grandissait comme ça. On leur disait, nous sommes des esclaves ici. Ce n'est pas notre pays. Vous voyez les gens que vous voyez là. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus puissants que nous. Ce sont nos maîtres. Si t'envoies, il faut aller. Si t'invites, il faut venir. Si tu frappes, reste calme. Il a le droit de t'insulter. Il a le droit de te mépriser. Tu ne peux rien faire. Il peut même nous tuer. C'était devenu leur habitude. C'était normal. Israël a intégré cela. Ils vivaient comme des esclaves. Jour après jour. Jusqu'à ce qu'un jour, un garçon est né. Il était un agent de changement. Je dis à quelqu'un, les agents de changement sont toujours rares et exceptionnels. Je dis les agents de changement sont toujours rares et exceptionnels. Cet enfant-là, quand il est né, il a observé la situation. Il a commencé à être choqué. Pour lui, ce n'est pas normal. Il a commencé à se révolter. Il dit comment les gens peuvent vivre comme ça. Non, ce n'est pas normal. Il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Pour tous les Hébreux, c'était normal. Mais pour Moïse, ce n'est pas normal. Je dis à quelqu'un, ton appel commence lorsque tu commences à trouver anormal ce que tout le monde trouve normal. Je dis à quelqu'un, quelque chose qui t'invite vers ta destinée. Lorsque tu commences à être choqué, ce que tout le monde trouve d'habitude, ce que tout le monde dit, non, on a été habitué à ça. Toi, tu te lèves, tu commences à dire, ce n'est pas normal. Ce constat-là, ce choc-là, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Parce que c'est toi qui le fais, donc tu es appelé à le changer. Parce que c'est toi qui le fais. Donc, c'est toi qui es destiné à ça. Tu te révoltes au fond de toi-même. Tu observes et tu dis ce n'est pas normal. Comment les gens peuvent laisser les choses comme ça? Comment les gens peuvent... J'imagine peut-être qu'il y a des gens qui passaient, des gens qui regardaient, et puis tout ça. Et puis quand Moïse était choqué, j'imagine que quelqu'un pouvait lui dire, c'est rien, c'est normal. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a des éléments qui te choquent, je viens t'informer ce soir que ces éléments-là qui te choquent est une invitation vers ton appel. Je dis les éléments qui te choquent est une invitation vers ta vocation. Des éléments qui te choquent est une invitation vers ta destinée. C'est pourquoi je pose la question aujourd'hui. Si tu es agent de changement, qu'est-ce qui te révolte? Alors attention, si tu trouves tout normal, comme tout le monde, c'est que ta vie est la vie de tout le monde. C'est que tu n'es pas différent de tout le monde. Si pour toi rien ne te choque, tout est normal dans ta famille, tout est normal dans ton quartier. Pour toi, la vie qu'on mène au Congo, c'est normal. Pour toi, la vie de Kinshasa, c'est normal. Pour toi, tout ce qui se passe à l'église, c'est normal. Rien ne te révolte. Sache que tu es comme tout le monde. Mais moi, je parle à ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Je parle à ceux dont l'avenir n'est pas l'avenir de tout le monde. Je parle à ceux qui ne ressentent pas les choses comme tout le monde. Je suis venu te dire aujourd'hui, s'il y a des domaines qui te révoltent dans ta famille, pour lequel tu dis, trop c'est trop.
c'est que tu as été suscité pour résoudre ces problèmes-là. Je ne sais pas si la personne là est ici ce soir. Je ne sais pas s'il est resté à la maison, s'il est là. Tu dis un bon amen et ça s'attache à toi. Je dis l'amen que tu dis. Amène ces choses vers ta destinée. Quand tu cries Amen, tu dis qu'il en soit ainsi. Oh, pendant que tu dis Amen, tu es en train de te connecter à ta destinée. Pendant que tu dis Amen, tu es en train d'aller vers des choses qui te révoltent. Moïse, tu ne verras jamais les choses normalement. Non, Moïse, tu seras choqué. Alors, qu'est-ce qui fait que Moïse soit révolté? Qu'est-ce qui fait que Moïse ne voie pas les choses normales comme tout le monde? Pourquoi? Parce que pendant des années, les enfants d'Israël étaient exposés à un discours négativiste. Un discours qui rabaisse. Ils entendaient ça. Ils vivaient ça. Pendant ce temps-là, Moïse, lui, il grandissait dans les palais royaux. Il était exposé à un autre discours. On lui disait, toi tu es un grand. Tu seras le futur pharaon. Toi tu grandis dans un palais royal. Personne n'a le droit de te mépriser. Ta dignité n'a pas de prix. Toi, pour même pour ton honneur, tu peux même ôter la vie. Toi, tu es né pour régner. Tu ne peux pas tolérer l'injustice. Le discours auquel il était exposé a changé ton attitude par rapport aux hommes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu veux exercer ton rôle d'agent de changement, commence à travailler tes oreilles. Parce que la qualité des choses que tu entends va déterminer la qualité de la vie que tu vas mener. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. J'aime la révélation de Malthus. Maître Merveille aime ça souvent. Et un jour j'ai consulté quelque chose là-dessus. Ça m'a fait beaucoup de bien. La révélation de l'oreille coupée. Parce que Malthus, il travaille avec le souverain sacrificateur. Il a exposé un discours de la loi. Il a exposé un discours de méchanceté. Il a exposé un discours qui lui dit que Jésus est mauvais. Il a exposé un discours qui lui dit que tous ceux qui suivent Jésus doivent être tués. Et ce jour-là, il vient aussi arrêter Jésus. Or, parmi les disciples de Jésus, il y a quelqu'un qui a l'épée. Or, dans la Bible, l'épée est assimilée à la parole. Or, le rôle de la parole, c'est de couper notre oreille pour remplacer notre oreille pour nous pousser à exercer une autre façon d'écouter les choses. Alors, lorsque Pierre le regarde, quelque chose lui dit. Sa destinée d'apôtre l'appelle. Sa destinée d'évangéliste l'appelle. Et sa destinée lui dit, tu ne peux pas laisser cet homme écouter le discours de la loi. Tu ne peux pas laisser cette personne écouter la parole selon laquelle Jésus est mauvais. Il faut couper son oreille pour qu'il ait une autre révélation, une autre façon d'écouter. Écoute ce qui se passe, frères et sœurs. Pierre coupe l'oreille. Pendant que Pierre coupe l'oreille, Jésus vient. Il accomplit un miracle. Il remplace l'oreille. Or, les médecins savent que l'oreille coupée
se ternit, ça s'effrite, ça ne peut pas revenir au format qu'il faut. Donc Jésus n'a pas pris la même oreille. Jésus a inventé, il a créé une nouvelle oreille. Je dis, Jésus a créé une nouvelle oreille. Et puis il l'a remplacé dans la tête de Malthus. C'est ce que j'aime avec Jésus. Il n'a pas dit à Pierre, jette ton épée. Non, tu ne vas pas jeter ton épée. Parce que l'épée, c'est la parole. Ton appel, c'est de commencer à prêcher, à couper les oreilles des gens jour après jour. C'est ça ton travail. Tu le feras toute ta vie. Tu couperas leurs oreilles. Moi, je remplacerai de nouvelles oreilles. Tu changeras leur façon d'écouter. Moi, je remplacerai leur manière d'écouter. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, reprends encore ton épée. Ce n'était pas pour faire de Pierre un koulouna. Non. Jésus est spirituel. C'est pourquoi ce jour-là, la Pentecôte, la première personne qui a pris l'épée, il s'appelle Pierre. Lorsqu'il s'est levé, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à couper les oreilles de tous ceux qui écoutaient les discours de la loi, les discours des efforts, les discours du péché. Il commençait à couper les oreilles. Il leur a dit, Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que nous prêchons. C'est lui le fils de David. Il est ressuscité. La Bible dit, les gens là, lorsqu'ils ont écouté la parole, leurs oreilles ont été coupées et ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit, repentez-vous. En d'autres termes, prenez une nouvelle oreille. Commencez à écouter la voix de l'Esprit. Commencez à écouter la voix de la sanctification. Je dis à quelqu'un, si tu veux devenir un agent de changement, tu dois prendre ton oreille naturelle et la recouper, prendre l'oreille spirituelle, la reprendre. Et ce soir, j'ai le mandat de la part du Dieu Tout-Puissant pour te donner une nouvelle oreille. Voici le discours que je te donne aujourd'hui, que tu as appelé à marquer ton temps et ta génération. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire que tu ne peux pas tolérer l'injustice. Je suis venu te dire que ta vocation t'appelle. Je suis venu te dire que ta révolte t'appelle. Je suis venu te dire, même si tout le monde comprend que c'est normal, pour toi, si ce n'est pas normal, c'est parce que c'est lié à ton appel. Je dis à quelqu'un ce soir, écoute le discours de la parole qui te dit que dans cette génération, Dieu compte sur toi pour changer les choses. Si c'est toi, tu dis un bon amen. Non, dis amen que tu adhères à cela. Dis amen que ton oreille naturelle soit coupée. Oh, dis amen que Jésus te donne une nouvelle oreille. L'oreille qui écoute le message de la grâce. L'oreille qui écoute le message du pardon. L'oreille qui écoute le message de la sanctification. L'oreille qui écoute le message du travail et de l'excellence. Je ne sais pas si quelqu'un dit un bon amen. Pendant 490 ans, ils sont exposés à des discours qui les rabaissent. Ces discours qui leur dit, vous n'êtes rien. C'est ça notre travail. Nous, nous sommes les esclaves. Même Moïse, qui a été exposé à un discours de grandeur, lorsqu'il est venu, il a été révolté par ce qui se passe. Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce qui te révolte? Tout n'a pas été occupé. Ni ne tombo qui sakayo. Pour na yonde bozan famille na binona bongo za bien. Eza na normal. Tu na age bolata na babilamba, eza normal. Aurait passé au chien ambeto lingo bima boye, petit frère la tiango. Ato silikaki. Est-ce que ça normal? Ça normal te faut tomboka. Na bi faut tomboka. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tomboka. Faut comment un niveau mon boy équation est salée on a la tanine chemise à bleu bah bleu donc comment bouner va bleu ciel bleu de nuit bleu foncé bleu hier soir habite au la tanine forme à bleu toi y habite bleu nayo bilogo on a épais au candidat pour na nini
Vous trouvez normal la vie chrétienne, nous avons mené à Bible les arrêter, aux arrêts de la Bible été, moi, application, moi, la Bible téléchargea, autant à Onga, surtout, Bible, les vaut nous pour lire la parole, autant à la Bible été, autant à la Bible été. Où y a l'église sans cahier, sans carnet, yo y a bignonso, comprenant nyonso, yo kangama comme nyonso. Ce va bandika verser mon bobi, ah, pasteur de l'offre, fongole l'orana, mais zangé si nous mouboué. Na yo kangon en 96 maté à eux. Yo y a bignonso, au comprenant nyonso. Mais c'est Google. Ils ont tombé qui saute. Mais c'est nani? Mais c'est Google. Mais c'est Google, frère Google. Ah, y a bignonso. Y a bignonso. Qu'est-ce qui te révolte? Nini tombo qui je dis à quelqu'un, qu'est-ce qui te révolte? La loi motomo nini tombo qui sakayo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bolinga mikata kolo. Ce soir Dieu nous interpelle. Pourquoi le Nzamba bendi makadisi na biso? Si tu es agent alobiso koza motoyo de changement akomema kambongwana, il faut absolument essengeli qu'il y ait des choses qui te révoltent. Ezanaba makambo iko tombo qui sakayo. Pourquoi? Pour nani? 1. Yaliboso. Dans ce qui te révolte se cache ton appel. Na oyezo tombokisa yo ebiangeli na yo ebombani wana. Moïse, si tu es choqué, Moses ko tutabi na motema de voir un hébreu komona moyebele moko être maltraité par un égyptien. Konyokola azala konyokola mana moyegypte. Pendant que les autres hébreux trouvent ça normal. Tango baebele mosusu bazomona ngoma lamo. C'est parce que toi tu as l'appel du libérateur. Et ça pointe yo sana ebiangeli ya mo. Je dis c'est parce que tu as l'appel du libérateur. Pointe yo sana ebiangeli ya komema bosomi. Dans ce qui te révolte se cache ton appel. Na oyezo tombokisa yo ebiangeli na yo ebatami na sima na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ce qui te révolte détermine l'onction dans laquelle tu vas opérer. Oyo ezo tombokisayo ezo talisa et pa quoi oyo ko salela. Ce qui te révolte détermine l'onction dans laquelle tu vas opérer. Oyo ezo tombokisayo ezo talisa et pa quoi oyo ko salela. Parce que tu es choqué. Lokola o tutami na motema. Dans le domaine du combat. Na likambwa bitumba. Donc toi tu as l'onction. Joka ne yo sana et pa quoi pour détruire l'Égyptien. Pour na ko bebisa ba Égypte. Et le cacher dans le sable. Batunyo sote ba tomboka na bitumba. Pour soda na onction abundante, moi bitumbe choqué yo. Exact. On va conseiller. Nous avons ta kimia. Talaka bien na bitumba, même ba famille, même na quartier, même na école, il y a toujours na deux catégories batu. Bato ba bunda. Na bato ba sa nini? Ba peki sabi bitumba. Bato ba bunda choc na bango eza na proportionnel na onction na ye ya sa nini? Ya obeta makofi. Mutu siko oyo abunda te ya za onction na ye za ya mwamba abunda te eza makomo mususu. Yango na ye lingi bitumba eza la te. La chose qui te révolte et loko eso tombo ki se termine l'onction dans laquelle tu as été. Tu vas opérer. Et talisa et pas quoi au yoko stalé. Nous sommes donc nous sommes kangi benabu. Menga depuis na kola na banga zo bituma bakinwa te. Babunda raté bakinwa. Kola na noté. Kinwa nous sera intimidation. Sur la nidé receveur façon baswana. Obi muta okufa. Ora biyo. Osa na ngai. Baobanda ko nikela o mikuwa soso na machine ya mwamba. Wa moka tala bien. Na se pelisa yo. Ah, akilwa. Intimide. Na se pelisa yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez vous êtes deux amis. Nengo komona bosa ba ningami balé. D'autres est toujours révolté par la manière dont les fêtes se font. Les services traiteurs, l'organisation. Tu as une fête à Moutoutel, tu as une anine à Moutoutel, tout ça, ça a été service, on a bien été, tout ça. Les camions, il y en a une fête, oui. Tout ce qui nous rend sous, c'est qu'il a l'onction pour la chose qui le choque. Azana et par quoi n'est-ce que tu as monté, man? Amen.
Tout ce qui les dérange, ce sont les familles. Vous savez, en RDC, les familles, la famille, c'est le fondement. Les pasteurs ne parlent pas trop des familles. Même le gouverneur n'a pas même projet pour les familles. Non, la famille doit être restaurée. Même quand tu pries pour les familles, c'est l'onction dans laquelle tu vas opérer. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, pour lui, c'est le sport. Lui, il pense que tout le monde entier doit se résumer en sport. Le sport, le système, tout ça. Où tu as appelé, où tu es réuni au monde, en Matongé, dans la fédération, dans la secrétaire, chargé à l'Union, et je me fais quoi. Ah! Yo, jeune, comment vous avez Nini. C'est que ça, onction et appel, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi je pose encore la question. Qu'est-ce qui te choque? Ne vis pas comme quelqu'un qui n'est pas révolté dans un domaine. Parce que si tu n'es pas révolté dans un domaine, tu vas subir les révoltes des autres. Ce qui te révolte détermine l'onction dans laquelle tu vas opérer. Ce qui te révolte produit l'énergie dans laquelle tu vas opérer. Courir. 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez l'histoire de ce jeune qu'on appelle David. David est révolté. Pendant que tout le monde est exposé au discours du grand Goliath. Pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath est en train d'insulter l'armée d'Israël. Personne n'ose l'affronter. Ils sont exposés à son discours. Leurs oreilles sont habituées à leur discours, à son discours. Et commencent à trouver ça un peu normal. Même le roi lui-même, il dit que c'est un homme de guerre depuis son enfance. On ne peut pas l'affronter. Je dis au roi, tu ne peux pas l'affronter parce que tu n'es pas révolté de la même façon. Il y a un révolté qui vient derrière des brebis. J'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un. Non, je dis reçois cette bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que pendant que ceux qui sont sur terrain ne sont pas révoltés, il y a des gens qui ne sont pas sur terrain mais qui sont révoltés. Et dans la stratégie de Dieu, ceux qui ne sont pas sur terrain mais qui sont révoltés finiront par remplacer ceux qui sont sur terrain mais qui ne sont pas révoltés. Je vois dans ce pays des hommes et des femmes qui sont sur terrain mais qui ne sont pas choqués. Je vois dans ce pays des hommes et des femmes qui sont sur terrain mais qui trouvent tout normal. Le temps est venu, la saison est arrivée où l'Éternel Dieu des armées, il va aller derrière les brebis. Il va prendre les inconnus révoltés. Je dis, il va prendre les inconnus révoltés. Je dis, il va prendre les inconnus révoltés. Il va les amener lui-même jusqu'au front. Je dis, il va l'amener lui-même jusqu'au front. Je vois quelqu'un en ces lieux. Tu es méprisé. Tu es négligé. Personne ne te considère. C'est parce que tu es derrière les brebis. Mais pendant que personne ne te considère, personne ne voit tes révoltes. Ce qui te fait fâcher durant la nuit, quand tu penses à ce pays, des choses qui te font passer des nuits blanches, personne ne les voit. Mais moi, je viens te dire, à cause de ce que tu vois au fond de toi, Dieu va faire un remplacement. Je vois une saison de remplacement où des révoltés non connus vont remplacer les pessimistes connus. Je ne sais pas si quelqu'un il y a ce soir. Je ne sais pas si je suis un bon auditoire ici. Hein. Je ne sais pas si je devais prêcher ce message ailleurs. Je ne sais pas. Je dis à quelqu'un, entre toi et le Parlement, la route est très longue. C'est pourquoi ce message te dépasse comme ça. Mais je viens te dire dans les jours qui viennent, tu seras plus proche du Parlement que comme aujourd'hui.
Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui de me néglige pas. Non, dis-lui ne me néglige pas. Je suis inconnu mais révolté. Je suis petit mais choqué. Je suis loin de là où on décide, mais je suis choqué. Je vois ton choc t'amener petit à petit jusqu'au front. Je dis, je vois ta révolte conduire jusque devant Goliath. Là où les géants ne sont pas arrivés. Là où les militaires formés ne sont pas arrivés. Je vois quelqu'un venir avec la rage. Oui, avec la rage de voir les choses avancer. Tu regardes l'église, tu dis il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de résurrection des morts. Tu cherches Dieu, ça te range. Je te dis continue à chercher Dieu. Je dis continue à chercher Dieu. Je dis continue à chercher Dieu. Je dis continue à chercher Dieu. Il y aura des miracles par tes mains. Je dis il y aura des miracles par tes mains. Pas pour que tu te glorifies, mais pour que tu fasses avancer le royaume. Ce qui te choque dans les prédications, ce qui te choque dans les cultes, pendant que tu suis le culte, tu es mal à l'aise. Tu dis il y a des choses qui devaient être remplacées. Je dis garde cette révolte là. Les jours qui viennent, les années qui viennent, il y a toujours un jour où quelqu'un qui était dans le banc vient pour remplacer ce quelqu'un qui était sur la chaîne. Oui, il arrive toujours un jour. Je dis, il arrive toujours un jour. Je dis, il arrive toujours un jour. Et je sais que lorsque ton tour arrivera, tu marqueras ton temps et ta génération. Qu'est-ce qui te révolte? Dans ta famille, même pour acheter une télévision, il faut des cotisations. Même les enfants, on ne sait plus leur faire des anniversaires. Tu fouilles les anniversaires des enfants, tu fouilles les sorties de dimanche, tu fouilles. Les enfants veulent aller faire, je sais pas moi, les trampolines. Toi, tu leur dis non, ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Restez, on va chanter victoire. Victoire, victoire, victoire à Jésus. Non. Ils ont déjà chanté ça à l'école. Ils veulent aller jouer. Si tu n'as pas les moyens, tu dois être choqué. Et ce choc-là va t'amener à être même pousse-pousseur. Et puis venir un dimanche, tu dis mes enfants, j'ai poussé les pousse-pousses pour vous amener à manger les shawarmas. Réjouissez-vous. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en cellule? Tu dois être choqué. Si dans ta famille, les mariages s'arrêtent toujours aux présentations. Présentation, on tient enveloppe $60. On a trois casiers. On a nos quatre kazaka. On a papa tita ego assisté. Après, boutique à la bongo 9 mois. Et puis une année, et puis tu écoutes un jour, mon soukota zando. Mon frère, bon, ça va. Au moins, on attend une année, madame, elle a zemi, elle a été robot. Et comme il y a un dengue, nini. Nos familles, ça a bon. Ça doit te choquer. Et c'est une toute à moté, manayo. Tu dois être le premier à faire près d'autres. Au sala, au bandina, d'autres. Les cambois, bon, ça. Coutumier, religieux, voyage de noces. Je dis voyage de noces. Vous êtes beaucoup de fêtes dans la salle climatisée. Et ça kuna. Mbala, attends, mais faut quitter ta malin. Beaucoup de la fête ya salle climatisée. Mbala moko na kingabwa. Donc na annexe wana besoin de cour commune. Il y a 7 parcelles, toilettes, mon corps. Si quoi, donc moi c'est à outil fête, na ça la makasi, mbala mon corps akiti, lobby na ngofa to ki sab loko. Non. Na bangungi. Donc on a voisin to ki tata malem malem, to ki tata malem. To ki tata malem malem. To sali fête, OK, voyage de noces na Dubaï. Dubaï. Tant boyé. Amen. Ah, vous allez amen hein? Amen. Na olinga na choqué mutu mutu na voisin. Est-ce que vous êtes choqué tout na? C'est choqué. Hey.
Les choses doivent changer. Je dis les choses doivent changer. Papa, je Je vais te dire Yo, la mono aussi, lika. Yo, sur la place, nanga osa lini. Aussi, lika. Oh non, il faut craindre Dieu. Tu vois, mon frère, les cultes. Konanga, mayanga ni. Na ofani sa yo, nabi. Résumé du culte du mardi. Bino goyate na bino zara mutu eselenga mapasi na lota ki batu bazola ndangai mutu no na yaki te pona zaki na ba faire moko boye na dedone ba conteneur et simbi ya ngono mo na yaki te papa amen ba ngo absence comment justice kozango quelqu'un acclame Dieu ce soir mutu mo rapite li zambe maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David arrive sur le front, il voit ce que tout le monde ne voit pas. Un révolté a des yeux prophétiques. Je dis un révolté a des yeux prophétiques. Le révolté ne voit pas ce que tout le monde voit. Tout le monde voit la taille de Goliath. Tout le monde voit son expérience. Mais lorsque David se pointe, il constate son infirmité. Il dit c'est un incirconcis. David, comment tu as vu que c'est un incirconcis? David dit j'ai été révolté. Et ma révolte m'a permis de constater. Je dis à quelqu'un, les plus forts ne sont pas toujours plus forts. Pourquoi? Parce que la révolte engloutit la peur. Je dis la révolte engloutit la peur. Regarde les yeux d'un révolté. Il est prêt à affronter n'importe qui. Regarde les yeux d'un révolté. Il est prêt à se sacrifier. Moïse regarde le palais royal. Il regarde le titre de la fille de Pharaon. Il regarde sa vocation, sa destinée. Il voit son sang, il voit son peuple. Il dit, je n'ai pas peur d'affronter Pharaon. Pharaon qui est considéré comme Dieu. Il dit, je n'ai pas peur. Pour ma destinée, pour mon appel, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à aller vivre dans le désert, à laisser le confort du palais. Pourquoi? Parce que le révolté n'a pas peur. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur d'affronter la vie. Quelle intercession ne soit pas une manière de peur d'affronter la vie. Il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour travailler. Merci. Mon nom, papa, nous avons bien gagné. Colonne à côté, ma bonne délire, ma casse. Lundi, la culte matinale, ce qui est si l'inop prié, tu 9h. Là, le mot qui est 12h, na zongi, na bani ko prié pour na yo, papa, na ngai. Zamba sala na vie na yo. Mate, na onion, soe simba. Na 14h, na lamu ki na peme le sousou. Na 15h, na zongi le prière. Na sameli pour na lupang oyo. To somba yango, Seigneur. Zamba sala bikamo. Na 18h, na prié le sousou. Si 22h, lobi na wana zongi. Papa, ça fait 8 jours déjà. Non, et ça, mon frère. À part wana, ou luki combien? À part Oana, pour le mariage, non, le bindegani. À part Oana, pour le projet de fiançailles, au commun à Nivoni. À part Oana, pour la cravate, la chemise, le bail que non, le modérateur, il faut que tu aies la cravate, la chemise, au commun à Nivoni. Amen. Oui. Dans la langue, il y a un sambelaki. Il y a un kataki à 14h.
na kende musala moko boyekota zenufa pona ba kisi wana to lokotaka papeza musala moko pasi poto la tarabani ni ba combinaison mais ça fait 3 jours je l'ai fait et soyinga moi moke na ngo samela pona ngai nzambe na yo asala ke so ngina travailler na sali 15 jours na longa na ngawana o na rozona et au même ngana basculer na musala mususu je prierai avec joie avec foi parce que je ne veux pas former déséquilibré en ce lieu de déséquilibré pas. Le dimanche, je vais prêcher sur ces choses. Mokola les déséquilibres à Makambo, côté vers la réussite. Liboso ya Kolonga. Quelqu'un dit un bon amen. Motomoka loba lorsque yo. David vient, tango David aye. Il voit ce que tout le monde ne voit pas. Amoni on batonyo sur ce monde. J'aime même un passage de ces conversations où David dit à Saül, n'aie pas peur, ne crains rien. Un petit, il est tellement révolté qu'il rassure même le roi. Oh, j'aime un révolté qui peut venir dire au pasteur, ne crains rien. Les choses vont marcher. Cette église, nous allons courir avec ça. Dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la parole, dans le travail. Je vous apprécie parce que vous êtes un prédicateur équilibré. Quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur, je termine en disant ceci. Ce qui te révolte explique ta différence et ta mission. Ton appel doit retentir au plus profond de toi-même. Parce que c'est dans ce qui te révolte se trouve ton identité. Dans ce qui te révolte se trouvent des choses pour lesquelles tu dois vivre sur cette terre. Quelqu'un qui connaît son appel et qui est révolté, il court vers son appel. Il le fait avec joie. Chaque fois que je me mets sur cette chair, je me retrouve en train de faire le plus beau métier du monde. Je le fais de tout mon cœur. Que vous soyez 4 ou 5 ou 1000 ou 10 000, je me dis ce sont des choses de mon appel. Ma femme est là, elle sait. Il y a des jours, elle dit Tikana on a iPad, Tikana on peut ordinateur. Tofa non peut solo la peine nous. Parce que ça me prend à tout moment. J'écris dans toutes les conditions. Un moment, je peux être. Bon, je dis, c'est juste entre parenthèses. Je peux être dans un embouteillage. Je vois un embouteillage. Le principe, moi, il est là. Révolté n'a pas peur d'affronter. N'a récupéré l'iPad. En plein embouteillage. Ça me tient tellement à cœur. Je me réveille les nuits. J'enregistre mes mélodies. Parce que c'est mon appel. Je n'ai pas été appelé à être un informaticien. Toi, c'est peut-être dans le domaine de l'informatique. L'autre, c'est peut-être dans l'infographie. L'autre, c'est peut-être dans la vidéo. D'autres, lorsque tu vois le niveau du théâtre, de la comédie de ce pays, ça te choque. Tu voulais être un bon réalisateur, faire des films, fournir au monde entier des films sérieux. C'est ton appel. Tu voudrais faire un service traiteur de haut niveau, c'est ton appel. Ton appel t'arrache le sommeil. Dans chacune de tes conversations, tu fais tout pour parler de ça. Tu n'es pas à l'aise lorsque tu ne parles pas de ça. On te cherche pour ça. Tout le monde sait que lorsqu'on a besoin de tel aspect des choses, c'est elle qu'on va trouver. Ça devient ton identité. C'est lié en toi, c'est dans tes veines. Lorsqu'il faut écrire, j'écris dans tous les sens. Lorsqu'il faut chanter, je chante avec joie. Parce que c'est le domaine de mon appel. Toi, c'est peut-être le sport. L'autre, c'est peut-être le ministère, les choses de Dieu. Tu es appelé aux choses de Dieu. Tu ne pries pas pourquoi. Tu n'as pas un cahier de méditation pourquoi. Tu n'écris pas les prédications pourquoi. Tu n'es pas focalisé aux choses de Dieu pourquoi. Tu n'as pas le temps de venir prier seul à l'église pourquoi. Tu ne cherches pas un culte avec l'onction pourquoi.
Si c'est ton appel, ça doit t'arracher le sommeil. Tu dois courir dans ces choses. Tu dois apprécier cela. Tu dois le chercher. Tu dois travailler au plus profond de toi-même. Tu dois rêver de ça la nuit. Parce que c'est ton domaine. Tu veux faire de belles robes. Tu peux faire un bon couturier. Tu veux aller très loin dans ton domaine. Tu regardes la politique de ce pays. Tu dis un jour je serai au perchoir du Sénat. Et je changerai des choses dans ce pays. Et tu travailles à ça. Tu travailles les concepts politiques. Tu travailles les sérieux. Tu travailles la réputation. Tu respectes même une petite relation. Tu es prêt à mettre tes unités pour dire des gens bonjour, juste pour gérer tes relations. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pose la question ce soir à quelqu'un. Si tu es un agent de changement, qu'est-ce qui te révolte? Si tu vois Jésus prier le matin, c'est un révolté qui prie. Il connaît son domaine. Quand Jésus se réveille le matin, ce n'est pas pour aller vendre les articles. Ce n'est pas son domaine. C'est pour chercher l'onction, pour guérir les malades. Parce que c'est ça son domaine. Quand tu vois Jésus marcher le jour, il ne fait que prêcher, il ne fait que partager, il est focus dans son domaine. Si tu le vois porter sa croix et aller jusqu'à Golgotha, parce que son appel l'appelle, il ne va pas lâcher. Même si le sang coule, il ne va pas lâcher. Et lorsqu'il arrivera à la croix, il criera: tout est accompli. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, quand est-ce que tu diras tout est accompli? Pourquoi tu rêves sur ta vie? Pourquoi tu négliges sur ta vie? Quel est le domaine dans lequel tu es prêt à te sacrifier? Parce que c'est ton appel. Et si tu es un agent de changement, qu'est-ce qui te révolte? Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Je ne sais pas si un révolté a écouté cette parole. Si un révolté a écouté cette parole. Je chante pour plaire à Dieu. Mais je travaille ma chanson pour rester parmi les meilleurs le plus longtemps possible. Ma femme sait, hier je suis allé encore faire un tournage de clip. Il me dit: mais dimanche tu as prêché deux cultes et puis tu as formé les enfants de l'Écodim et puis tu vas encore faire des clips, tu te reposes pas. Je dis: c'est comme ça. C'est comme ça. Travaille pour être parmi les meilleurs. Fais-le encore bien. Moi, je crois que si j'étais un comptable, je serais parmi les meilleurs comptables. Si j'étais un politicien, je serais parmi les meilleurs politiciens. Ne dis pas non, pasteur, c'est parce que tu chantes. Non, c'est pas facile. Toi, chante, on écoute ta chanson. Alors, tu verras si c'est facile ou pas. Chacun dans son domaine se sacrifie. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pendant ces 3 minutes? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Je ne sais pas comment tu vas prier. Je n'ai pas de sujet à te donner par rapport à ce que tu as entendu. Des choses qui te révoltent. Des choses que tu voudrais changer. Des choses pour lesquelles tu es prêt à ne pas dormir. Des choses qui constitueront l'essentiel de tes conversations. Des choses pour lesquelles tu es prêt à tenir des conférences. Des choses qui feront que tu voyages. Des choses qui feront que tu puisses construire ta maison. Bien-aimé, ta richesse te trouve au bout de ta révolte. Je dis, ta richesse se trouve au bout de ta révolte. Quelqu'un prie ce soir. Maria Brabo, Shekama Brasante, Zenerebro, Shekama Brabo, Sete. Je ne suis pas tout le monde. Ma vie n'est pas la vie de tout le monde. Ma destinée n'est pas la destinée de tout le monde. Je me leverai, je travaillerai. Je chercherai, je prierai. Je vais m'améliorer tous les jours. Parce que c'est le domaine de ma révolte. Trop c'est trop dans ma famille. Les choses doivent changer. Trop c'est trop dans mes études, les choses doivent changer. Trop c'est trop dans ce pays, les choses doivent changer. Je suis choqué et révolté.
Je suis choqué et révolté. Je suis choqué et révolté. Ne néglige pas le domaine qui te révolte. Ne suis pas ceux qui méprisent ce domaine-là. S'ils ne sont pas révoltés dans ce domaine-là, c'est parce que ce n'est pas leur appel. C'est ton appel à toi. Tu vas courir seul sur le chemin de ta vocation. Tu vas courir seul sur le chemin de ta vocation. Saint-Esprit, fais-moi lever la nuit. Saint-Esprit, fais-moi marcher sous le soleil. Saint-Esprit, fais-moi travailler comme un fou. Parce que c'est mon domaine. Parce que c'est mon domaine. Si Moïse est prêt à tuer, c'est parce qu'il est appelé à ça. Oh, si David est prêt à risquer sa vie, c'est parce qu'il est choqué. Rebondarabo, c'était. Si Christ est prêt à affronter la croix, c'est parce que c'est ton appel, son appel. Je le ferai encore. Je vais courir encore. Tu m'as appelé à ça. J'aime ça. Je suis incapable. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je travaillerai jour après jour pour être parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, parmi les meilleurs de ma génération.
Au bout de cette révolte, il y a une forte gloire. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Kolomatondi. Seigneur, merci. Kolomatondi. Seigneur, merci. Kolomatondi. Seigneur, merci. Kolomatondi. Laisse que ta parole prenne chair. Tikaite lilobanaye latasuni. Laisse que ton esprit tikaite molimo nayo nous soit communiqué ce soir. Et pesa melapiso na poko alelo. Laisse que cette vie kaite bom moyoyo. Cette vie de révolte bon, moi, oh, y a beau tomboki. Soit notre partage. Et ça la libula pona biso. Que nous ne soyons pas victimes. Tous à la tiba au kabako sangola. Mais que nous soyons des acteurs. Kasi, tous à la neba mimi. Que nous ne soyons pas de ceux qui se lamentent. Tous à la tina bayo bako lelaka. Mais que nous soyons ceux qui détermine ce qui arrive. Que nous ne soyons pas de ceux qui constatent, mais que nous soyons ceux qui apportent le changement. Père, donne-nous cela comme une grâce. Que cette assemblée soit formée des agents de changement. Qu'on reconnaisse que dans cette ville il y a une race des hommes et des femmes qui partout où ils se trouvent apportent le changement. Père, nous te prions au nom de Jésus. Donne-nous cela comme une grâce dans cette église. Que cette semence produire ses fruits dans nos vies. Et bota bambouma na babomo inabiso. Nous te le demandons au nom de Jésus. To Seigneur yango na kombo na Yesu. Et nous croyons que nous l'avons reçu. Pe ton dimiete to zui yango. Nous croyons que tu nous as exaucés ce soir. Ton dimiete yano libiso pokwa lelo. Nous croyons que tu ne parles pas en vain. Ton dimiete lobaka pambate. Nous croyons que tu envoies ta parole pour nous guérir. Ton dimiete tinda kamaloba pona kobiki sa biso. Nous croyons que ta parole ne rentre jamais ton dimiete lilobane songa kate. Sans donner le fruit pour lequel elle est annoncée. Puisque ce soir il est question des révoltes qui déterminent notre appel. Nous croyons que Père, nous ne verrons plus les choses comme des esclaves. Nous ne constaterons plus comme des victimes. Mais nous allons regarder comme des agents de changement. Et que par la révolte qui va naître, chacun va atteindre des objectifs pour sa vie. Merci de le faire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Sa louange, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis.